Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai un gros pansement pour un gros bobo. Je me suis coupée avec le cutter sur 8 cm avec un petit morceau d'os et un petit bout d'ongle au passage. Comme quoi, le scrapbooking, c'est quand même dangereux. Donc, avis à tous les passionnés de scrap, scrappeuses et autres, prenez bien soin de vous, faites attention en utilisant le cutter. Voilà, donc ce soir, hormis ceci, je vous présente le dernier album que j'ai fait. C'est un album 3D qui part du même principe que l'album Pyramide, mais je l'ai voulu dans ce sens. Donc il s'ouvre d'abord comme ceci, avec comme d'habitude des emplacements photos ici. Un petit tag, là pareil, une petite pochette. J'ai choisi la couleur rouge. J'avais encore ce bloc Artemio, j'ai voulu le terminer et j'en ai bien profité finalement. Je me suis régalée avec ce bloc. Hop. Après, un petit cadre avec un passage pour mettre une photo. Là, deux pochettes en biais. Comme je les aime tant, on ouvre comme ceci le principe de l'accordéon. Un petit tag là, oh pardon, je mets mon gros doigt dessus, ça va pas le faire. Et là, pareil, un petit passage pour une photo. Là, j'ai mis un cadre, pareil, un passage photo ici. Là, une pochette en biais, comme je les aime tant, vous le savez maintenant. Après, j'ai fait deux petits rabats. Hop, j'ai du mal quand même. Voilà. Et enfin, pour finir, une cascade dans ce sens. C'est toujours le même principe. C'est pour des photos de 10 par 15. Donc, il mesure en totalité. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il mesure. Hop, je suis à l'envers, décidément. Les malheurs de Sophie, épisode 3. 20 cm, le plus grand, sur 16, et le plus petit, on est à 15 sur 11. J'ai enlevé 1 cm à chaque étage, sachant qu'il y en a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit album vous aura plu. Et puis, si vraiment si c'est le cas, on essaiera de faire un tuto ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, en espérant que mon gros doigt aille beaucoup mieux. Au revoir.